Et bonjour à tous les amis, on se retrouve pour la suite de nos aventures Protoss dans StarCraft premier du nom bien sûr, version remaster. Donc. Et on arrive sur l'avant-dernière mission du jeu, et oui déjà, la mission 9 Protoss, les chasseurs de l'ombre, et on clique ça tout de suite, c'est parti. Les chasseurs de l'ombre, Grand Traitor, vaisseau de commandement Protoss, orbite basse d'Aiur. Les ergs ont eux aussi été créés par les Xel'Naga, ces êtres qui nous ont donné naissance. Mais le Maître Esprit s'est depuis affranchi de leur carcan pour mener à terme les expériences qu'ils avaient initiées il y a si longtemps. Ainsi, mes amis, vous le comprenez. Nous ne combattons pas uniquement pour sauver Aiur, mais la création tout entière. Si les ergues l'emportent, leur maître esprit envahira tout l'univers, consommant avec lui toute forme de conscience jusqu'à la dernière trace de vie. C'est pourquoi nous devons mettre fin à cette folie, une bonne fois pour toutes. Nos troupes concentreront leurs efforts sur les principales colonies. Une fois les défenses des ergues affaiblies, Zeratul et ses compagnons pourront tenter de s'infiltrer pour assassiner les Cérébras. Si Atul. La diversion causée par la mort des Cérébras devrait nous permettre d'attaquer le Maître Esprit directement. Eh bien, utiliser Zeratul pour détruire les Cérébras Zerg. Zeratul et Phénix doivent survivre. Très bien, allons-y. On a là un arbitre. Alors, on a quelques workers ici, on va les mettre là. On a un petit peu d'armée, on a Zeratul, Phénix. J'ai pas les... J'ai pas les spells. Je n'ai pas les spells sur l'arbitre encore. Alors l'arbitre, hein, la particularité de cette unité aérienne, c'est que elle génère automatiquement un champ d'invisibilité autour d'elle. Ce qui permet du coup de camoufler toutes les unités à proximité. Au détail près que elle ne se camoufle pas elle-même. On a pu le voir, hein, vous voyez, toutes les unités sont légèrement transparentes, sauf l'unité, sauf l'arbitre. Et oui, sinon ce serait quand même un peu trop facile d'avoir une armée entière complètement, complètement invisible avec une seule unité. Somme toute, c'est déjà quand même très très fort. Donc on va pouvoir abuser un petit peu de ça. Et si je me souviens bien, normalement il y a également une autre zone... Un minerai de ce côté-ci. Voilà. Alors, non, je vais pas tous les envoyer. On va. Si j'arrive à sélectionner tout le monde. Hop, voilà. Refaire le petit groupe. Et c'est parti. Alors, normalement, il y a des Cérébras Zerg. Hein, donc, comme le disait la mission, tout au long de la map, il va falloir les détruire à l'aide de Dark Templar. Ou je crois que c'est vraiment spécifique. Spécifiquement avec Zeratul. On va voir. Pour le moment, on est assez tranquille et visiblement il n'y a qu'un seul accès. Hein. Voilà, là il y a une zone centrale. On va du coup lancer le deuxième Nexus. Ok, donc voilà. Donc les ennemis ne peuvent venir que par là, sauf unité aérienne, bien entendu. Tandis que le premier Nexus se termine. Parfait. Parfait, parfait. Voilà, et du coup, on va pouvoir lancer la prod. C'est cool. Donc là, bon bah, on va, comme d'hab, hein, on va macro. On va macro jusqu'à avoir suffisamment de choses pour pouvoir bourrer. Alors c'est une map qui peut durer quand même assez longtemps. Hein. Je pense que vu la configuration et puis surtout la taille de la minimap, mine de rien, il y a de quoi passer pas mal de temps sur cette map. Alors on va essayer d'y aller quand même relativement vite. Le mieux
En général, c'est tout simplement de macro comme un bourrin au début, donc de vraiment développer son économie. C'est comme ça qu'on dit, hein, c'est de la macro-gestion, le fait de gérer sa base, son installation, l'emplacement des différents bâtiments, le fait de produire des sondes en continu, etc. et de s'étendre sur d'autres zones. Tandis que la micro-gestion, eh bien, c'est tout simplement le fait de gérer ces unités. Par exemple, lorsque vous avez votre armée, que vous êtes en combat, et que vous allez avoir, par exemple, ce dragoon qui est devant, qui prend des dégâts, eh bien, vous allez le sectionner et le faire se replier pour qu'il lâche l'aggro, pour qu'il perde l'aggro, et que ce soit les autres unités qui le récupèrent, les autres unités qui sont toutes neuves, et pouvoir faire en sorte que vos unités restent plus longtemps au combat. Tandis que si vous laissez crever l'unité qui est en front, en fait, bah, vous la perdez un petit peu un peu bêtement, et elle n'aura pas été utilisée de manière assez optimale, on va dire. On le voit notamment pour les joueurs de StarCraft 2, les Stalkers qui ont le Blink, qui permet de téléporter une unité sur une courte distance, et bien vous allez pouvoir les téléporter une par une, donc un par un les Stalkers, donc ceux qui sont blessés, qui prennent les aggros en front, derrière, et comme ça ils continuent à se battre pendant que ce sont les autres qui se tapent, et ainsi de suite. Et c'est quand même assez efficace. Alors je crois que j'ai mal fait mon rally point, du coup ils vont pas bosser. Et on va du coup continuer à faire de la petite sonde, hein. De toute façon les bâtiments, tout ça, ça va aller très très vite à poser. Il vaut mieux qu'on se concentre sur l'économie, d'autant que les spots de gaz, hein, les geysers de gaz Vespen sont assez loin, tandis que je me fais aggro par une espèce de saloperie de mutin, et ça c'est vraiment pas cool. Voilà, on va peut-être laisser du coup au moins l'arbitre et un dragoon, je les confonds. Voilà, allez, faut le tuer, voilà, merci. Donc on va, à la limite, on va peut-être laisser Phoenix ici, comme c'est une unité héroïque, on va éviter de le perdre bêtement. Et hop, ça bosse pas. Voilà, on va refaire un petit pilon. Donc comme je disais, les geysers de gaz sont assez loin par rapport au Nexus. Ah putain, j'ai mal cliqué. Donc il va falloir poser des Nexus supplémentaires proches de ces gaz, de ces geysers, pour pouvoir les exploiter de manière optimale. Parce que là, si je mets un extracteur de gaz ici, vous vous rendez bien compte que l'aller-retour, il est complètement délirant. Donc ce serait complètement stupide et improductif de faire ça. Donc on va d'abord monter la prod de minerai. Et là c'est pareil, hein. Il y a un deuxième geyser ici. Il y en a un troisième là, mais il est au-delà de la zone que je peux atteindre. On va peut-être même, pourquoi pas, mettre une forge et 2-3 canons photons à droite à gauche, comme ça on va se sécuriser. On va se sécuriser la zone et on sera très très bien. Voilà. Alors on va continuer, hein. Bon, c'est pas la partie la plus intéressante, hein, forcément. On n'est pas sur une map, sur une partie multijoueur où on peut faire d'autres choses. Aller envoyer des unités en scouting par exemple, pour aller explorer la map et voir ce que fait son adversaire. Là, on est contre un ordinateur, donc forcément il fait les choses, on va dire, pré-établies, pré-configurées, donc aucune surprise. Donc ça servirait à rien d'essayer d'aller poutrer par exemple les spines qui sont là avec le peu d'armée que j'ai, puisque je ne pourrais pas avancer bien plus loin. Allez, on va mettre quoi, 2. Hop, voilà, 2, je pense que c'est pas mal. Au pire, ça laissera le temps de sortir des unités. Hop, voilà, là on sera pas mal. Et en espérant qu'ils ne viennent pas m'aggro, ils ne m'envoient pas d'autres mutas pendant que les canons se construisent. Ils aiment bien ça, faire un timing où en fait tu poses tes canons et c'est pile à ce moment là, avant qu'ils se terminent, que tu prends une attaque. Et c'est assez dramatique. Oui, on va lancer des upgrades.
On va commencer à développer un peu la technologie. Alors, je sais pas trop sur quoi on va partir, mais on va y aller. On va y aller, forcément. On va mettre notre quatrième Nexus ici, voilà. Ce qui va nous en falloir du gaz. Hein. Si on veut faire par exemple un combo aérien robot, il va nous falloir énormément de gaz. Donc on va s'y atteler. Et également, il nous faudra aussi toutes les améliorations, tout ça. Donc ouais, ça va être un sacré chantier. Bon, là, j'ai un petit peu trop. Et là, bon, voilà. Donc ça se construit tranquillement. Là, ça y est, c'est bon. On a notre Nexus qui est terminé là-bas. Tandis que je me fais attaquer et il y a quand même pas mal d'unités. Alors, on va essayer de micro un petit peu pour pas perdre les unités blessées. Voilà, c'est bon. En plus, le gros intérêt de micro, de faire donc ce que je disais, de la micro-gestion sur les unités Protoss, notamment, c'est qu'elles ont un bouclier. Et ce bouclier se recharge. Donc, vaut mieux essayer de conserver une unité en vie plutôt que de la laisser se suicider bêtement. On a les chavres. Ouais, allez hop, ça va bosser. On va remettre des petits pylônes. Voilà, il me faut des pylônes. J'ai oublié de les poser en avance. Ça, c'est ma maladie. Hein. C'est pareil sur StarCraft 2. Oh putain de merde. Il m'a foutu le parasite. Du coup, toutes mes unités sont à 1 HP. Ça, c'est un peu de dramatique. Eh putain, évidemment. Évidemment. Évidemment, c'est la... Ah, il a changé de... Il a changé. Allez, vas-y, va taper le pylône. Le pylône, le... Le photon. Voilà, 2, c'est largement suffisant. Il a même pas eu le temps de gratter les points de vie. Donc, très très bien. Très très bien géré. Je crois que j'en ai un de trop. Je pense en avoir un de trop là-dessus. Hop. Alors, du coup, les héros, par contre, on va les virer du groupe de contrôle. Donc ça c'est bon, ça va là. Je pense que j'ai suffisamment de sondes ici et là également. On va juste continuer à prendre des trucs. D'autant que je suis milliardaire là. Je me suis un petit peu endormi sur ce que je voulais faire. Donc ça au gaz. Et là on va balancer toute la technologie. On va mettre ça. On va même en rajouter une deuxième forge pour aller plus vite. Là j'en ai un de trop, pareil, on va remettre des pylônes partout. Hop, bon j'en ai peut-être pas 3, j'en ai peut-être pas besoin de 3 hein, quand même. C'est pas forcément nécessaire et on va continuer à cliquer des dragons. On va essayer de mettre des... L'idéal ce serait de faire une compo avec des archons, des porte-nefs et pourquoi pas des rivers. Donc les ravageurs. Hop, comme ça je pourrais vraiment tout gérer sans problème. Oh là là, il y a un vilain ultralis que j'ai arrivé. Et comme il ne peut pas me voir, il va aller aggro tout ça. Ah et du coup le parasite attaque enfin a un effet également sur les bâtiments, je l'ignorais. Intéressant. Voilà. Hop. Donc toi tu dégages. Phoenix, faut surtout pas le perdre en plus, ouais, Là, par contre il a pris cher. Hop. Voilà. Je sais pas ce que j'ai fait de mon Zeratul, mais c'est pas grave. Donc là c'est bon, on commence à avoir les rivers. On va commencer à en cliquer quelques-uns. On va avoir besoin de Stargates. Bon là je clique pas comme un fou frénétiquement dans tous les sens, hein, vous l'avez bien compris. C'est pas forcément l'idée. On n'est pas du tout sur une map genre multi où il faut aller vite. Pourquoi je n'arrive pas à cliquer mon bâtiment? Moi si c'est bon. Je n'arrive pas à cliquer sur le bon bouton. Lui il glande. Hop, hop. Hop. Je vais remonter un peu le son. Voilà. Donc ça c'est bon. Les Stargates qui se font tranquillement. Là qu'est-ce qu'on a? On a... Les upgrades des rivers, on a fait le plus un. Tiens, on va faire l'upgrade de la range des dragoons, champ de vision étendue des détecteurs, des ops. Évidemment, on va continuer à cliquer des... Je confondrai toujours les stalkers et les dragoons, ne m'en voulez pas.
C'est un peu l'équivalent d'un jeu à l'autre. Donc voilà, je ferai souvent l'erreur. Et je l'ai certainement fait un nombre incalculable de fois depuis. Mais voilà, c'est comme ça. Les habitudes. Alors, les Stargates qui se terminent, on va poser tout de suite la balise de la... L'autre, j'ai pas le gaz. Ok. Donc il va falloir qu'on avance pour prendre des bases en plus, bien sûr. Et on va rajouter des zélotes supplémentaires. Ça, hop. Hop, le reverse. Et on va peut-être se mettre des... On a le zélote speed. Enfin, la charge lot plutôt. On va balancer. Voilà, très bien. Très bien, très bien. Ok, donc mon Zeratul, on va le laisser ici. Il est très bien. Il est très bien où il est. Hop. Oh. Il a mis le Red Smoke du Defiler. Ok, c'est bon. Pas de panique. Donc là, on est bon, là. J'ai pas l'archive des Templiers. Ah, j'ai pas cliqué. Ah oui, j'ai pas cliqué l'archive des Templiers. Oh, alors ça, c'est dommage. Ok, on va faire l'upgrade pour les portes neuves, bien sûr. Même si j'ai pas du tout l'économie pour les cliquer pour l'instant. On va bien entendu pouvoir les sortir à un moment ou un autre. On va rajouter bien sûr des gates. Hop, hop, et on va pouvoir avancer. Hein. C'est surtout ça, on va pouvoir avancer. Hop, vas-y, clique-moi des zélotes, on en fout plein partout. Ça sera très bien. Du coup, ça c'est quoi? C'est le... Ouais. Qu'est-ce que c'est encore des... Ah putain, c'est un gardien. Ah merde, ça par contre c'est relou. C'est vrai qu'il y a les gardiens dans ce jeu. Ah, c'est relou ça. Ça va nous coûter une fortune en gaz, cette armée, si je puis dire. Ça, j'en ai pas besoin du coup. Il s'en va. Ah, il s'en va le salopard. Ah, c'est bon que je gère. Il gère. Voilà. Et retourne bosser. Donc là, les gates qui sortent. On va pouvoir cliquer des trucs. Hop, hop. Voilà. Ah, par contre, j'ai plus de minerai. Ok. Oh non! Non, 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 non! Non! Ah, je l'ai donné bêtement. Bon, c'est pas grave, tant pis. Là, il y a du minerai récupéré. C'est cool. Bon, bah, du coup, on va envoyer tout le monde à l'attaque. Un peu peut-être baissé. Pour aller casser la première ligne de défense. Voilà, bon, c'est des simples spines. Des sunken colony. Comme on dit. Hop, voilà. Est-ce que je peux aller là-haut? Je suis pas sûr. Ah non, c'est une zone bloquée. Donc il va nous falloir des... Ah merde, je donne mes ops. Il va nous falloir des transports pour aller sur les hauteurs. Un peu chiant. Mais il nous faut de la thune, donc on va faire ça. C'est là-dedans. Hop. Hop, on va cliquer. On va commencer à cliquer les porte-nefs. Ah, j'ai pas mis le truc pour les arbitres. Un seul, j'ai besoin d'un seul, s'il vous plaît. Hop, et voilà, c'est cliqué. Ok, allez gros, on avance. Il y a peut-être des bases dans les coins là à prendre. Hein. Ça serait pas mal. Quand on se fait attaquer à plusieurs endroits, de plusieurs côtés en même temps, c'est un petit peu complexe, mais on va y aller. Après, il y a possibilité aussi de rush simplement les cérébras. Et si on tue le cérébra, ça veut dire la mort en poule de la colonie de Zerg en question. Et donc on pacifie tout d'un coup. Mais comme je ne sais plus où elle se trouve exactement... Ah dommage. On va juste avancer tranquillement. Voilà, ça va se faire tout seul. On va envoyer une petite trompette de zélote. Ok, ça c'est bon. Les porte-nefs, hein, bien sûr. On va rajouter. Il me faut. Ah oui, on avait dit qu'on faisait des HT. Enfin, des archons.
Parce que les archons c'est giga fort. Ça tank et c'est très très fort. Donc il va nous en falloir bien sûr. Alors le cérébral il est pas là, je ne sais pas où il est. Mais il y a aussi une base aérienne ici, donc on va y aller. Et je pense que le cérébral il est en hauteur. On va voir. À la limite je peux envoyer un de mes partenaires voir les deux, hein, tant qu'à faire. Et également la petite shuttle. La petite navette. À moins que ce soit juste un avant-poste. Hein. Là, il y a un petit peu de minerai. Hop, allez, les 4 de plus là. Hop, voilà. J'ai encore des upgrades à cliquer. Voilà, très bien. On va en faire quelques-uns comme ça. Alors, est-ce qu'il y a des choses à détruire? J'ai pas l'impression qu'il y a qu'un gaz en fait. Vas-y, on va prendre des sondes d'ici. Ouais, c'est tout, c'est ça, c'est que des... Voilà, ce ne sont que quelques défenses. Et ok, ils avancent, il n'y a rien de plus. Il n'y a rien là-haut, là. Ah, attends, il y a des trucs là, non, reculez. Reculez, il y a encore du minerai. Ok, ça défend. Nice, maintenant il va falloir juste faire une sorte de wall ici. Le temps de poser une base et tout. Oh là, c'est quoi ça? Holy shit, des mutants. Les mutants, ils sont mes porte-neufs. Ah merde, il envoie des unités se battre. Il faut qu'on aille péter ça. Ah, il revient. Je crois qu'il a compris. Il a compris le projet. Voilà, c'est bon. Il fait mal, lui. On va faire un arbitre. 350 de gaz l'arbitre. What? Ça coûte une blinde. Allez, pose-moi ça. Heureusement, je vais avoir un autre gaz supplémentaire. Ah, mais il y en a encore un autre là. Bah, on va avoir deux gaz de plus en fait, finalement. Et ça, c'est très bien. Par contre, il faut le minerai. Et du minerai. Oh, j'en ai plus. Oh putain, on est en déj de minerai, les gars. Alors attends, on va peut-être commencer par reposer un Nexus ici, là. Ou peut-être voire même là-haut. Pour avoir un apport de minerai suffisant. Parce que... Ne dis pas qu'il est coincé. Me dis pas qu'il est coincé, je te croirais pas. Merde. Ok, il renvoie des petites unités pour essayer de... gérer ça. Ouais, ça on s'en fout. Hop. Paf. Ok, c'est bon. Il n'y a plus qu'à attendre que ça se construise. Et on sera pas mal. Bon, du coup, j'ai pas du tout bien géré mon histoire de minerai là. Là, c'est pareil, il n'y a plus de minerai là-dessus. Il y a de quoi... Allez, il y a 500. 500, ce qui nous fait un Nexus. Un gros Nexus, avec un petit peu plus. Mais ok, il va falloir qu'on gère ça. Dommage que je ne sache pas où est le cérébra. Parce qu'on pourrait aller péter le rouge, je pense. C'est pas si mal. Hein. D'autant que là, je peux pas trop prendre le risque d'attaquer, quoi. Si je perds mon armée. Et surtout, si je perds mes défenses sur mon Nexus de là-haut, là, celui-là. Là, on est mort, on est foutu. Donc on va peut-être y aller tranquillement. Ah, reviens, non! Va pas dans les Sunken. Après, tiens, je peux péter les défenses déjà. Non, non, non! Mon dragon! Bon, 2, c'est pas ultra efficace, mais. Quand même. On va dire que c'est toujours ça. Allez. Attends, je peux peut-être split un petit peu ça, non? Bon. Hop! Allez, l'hydra. Ouais, l'hydra, c'est bon. Ah putain, ils en rendent encore. J'ai pas de... d'ops. Ok, on peut poser celui-là, ça y est. Hop. Voilà. Et là, du coup, celui-là, c'est bon. Transit ça tranquillement. Là, je pense qu'on arrive au bout aussi, également. Hein. Hop, on va transit tout ça.
On va laisser un petit peu là-dessus, faire du longue distance. Et on aura la base du haut, du coup. Qui fera son job. Ok, c'est bon, il a réussi à sortir, lui. Ouais. Ouais, ouais, ouais. C'est combien? Putain, c'est cher. Est-ce qu'on peut faire des HT? C'est combien? 50? Allez, hop. On en clique. Ouais, pas trop de défense aérienne là-dessus. Pas mal. Pas mal du tout. Vas-y, explique-moi un peu tout ça, là. Hop, voilà, merci. Et ça, ça va là-haut. Vas-y, voilà. Bon, on va pouvoir avancer. Ça y est, on retrouve... on commence à avoir les sous. On va faire des portes neuves. C'est combien? C'est 350. Il nous faudrait aussi les upgrades qui vont bien. 400 pour le 3 de bouclier. Ça coûte une foutue blinde. Après, c'est normal puisque toutes les unités Protoss, même les bâtiments, en bénéficient. Mais tout de même, 400, c'est une foutue fortune. C'est presque indécent. Allez, avançons. Non, mais non, mais pour y suis. Ils sont fous. Non. Super. Je me suis buté mon unité. Vas-y, approche. Parce que je te snipe avec ça. Oh, le relou. Ouais, non, si c'est bon, ça va le faire. Donc eux, ils vont tranquillement tout péter, là. Ça, c'est cool, ça, ça bosse pas. Bon, bah, ils vont rester là, hein. Tant pis. Là, j'en ai un peu trop, mais c'est pas très grave. J'ai un autre gaz aussi. Ah bah attends, mais on va... Il nous faut un Nexus aussi, là. Tout simplement. Hop, voilà. Ça, c'est... Il est où, mon transport? Il est là. On va aller les récupérer, du coup. Alors... Ça, ça part en Archon. Hop, on va envoyer les renforts. Voilà, très bien, très bien, très bien, très bien. Hop, hop. Voilà. Faut que je clique ça, je crois qu'il y avait un où j'en ai balancé un de trop là-dessus, ouais. Hop, plus 3. Et on va pouvoir lancer encore un peu de neuf. Voilà, magnifique. J'en ai vraiment perdu un. Putain, il m'en a détruit un, ce con. Ok, bon, tant pis. Allez, go, on avance. On avance, on détruit tout. J'ai dit qu'on a essayé de faire vite. Du moins pas trop long. Du coup, voilà, allons-y. Après l'arbitre, j'ai des doutes, hein, sur cette map. Je suis pas sûr que c'était la très très bonne idée. Mais bon. Comme il y a plein d'entières partout, finalement ça fait de la détection, quoi. En fait. Voilà, on va cliquer ça. Ok, go. Go, go, go. Eux, ils vont aller aider. Hydra, ok. Celui-là est tout neuf, celui-là est tout neuf. Ok, allez, on y va. On avance. Et on va envoyer la petite... Putain, oui, c'est vrai, c'est lance en upgrade. C'est où qu'on fait l'upgrade de ça? Je sais plus. Pas dans la... Non, ça, c'est les ups. Ça, on s'en... Alors, c'est là-dedans. C'est déplacement des navettes, voilà. Et on va pouvoir cliquer encore un porte-neuf. Ok, c'est bon. Encore une petite base de nettoyer. On avance, on avance, on avance. Et... on va transiter tout ça, là. Hop. On va transiter tout ça. Je sais pas où... Où est-ce qu'ils vont, eux? Et merde. Oh non, ça va, j'ai des 8 à côté. Ah, il m'en manque un, merde. Il manque un au templier pour faire... Pour faire un archon. Allez, go. Allez, go, go, go. Où sont les cérébras?
Là, j'ai pas de minerai malgré toutes ces bases là. C'est terrible. Ah, mais en fait, ils arrivent pas à se séparer en fait. Ils ramassent qu'un seul minerai. Du coup, c'est la merde. Ok. Ok, go. Ça, c'est bon. Paf, ça va au combat. Go. Go, go, go. Il y en avait deux de plus là-dedans. On va essayer de. Ok, là, ça glande aussi. Paf, ça va tout là-bas. Et là, du coup, ils sont en train de topeter. Qu'ils foutent. C'est vrai que quand tu les laisses tout seul, ils font n'importe quoi. Quand tu les micro pas. Et voilà, je perds mon truc. Non mais recule. Voilà, merci. Ok, là il y a un cérébrin. Il est au mon Zeratul, il est là. On va le remettre dans un groupe de contrôle et il aura juste à aller lui casser la gueule. Donc en fait finalement c'est une map où on pourrait... complètement s'abstenir de nettoyer l'intégralité de la map. Bah, tout ce qui est au milieu, là, en fait, je m'emmerde pour rien. C'est complètement anecdotique, même le fait de prendre des bases, des machins, là, on s'en fout complètement. On pourrait simplement se concentrer sur ce qui se passe ici. Et focus le mid. Ok. Et là, du coup, j'avais encore des units. Hop. C'était combien F? Enfin, combien? Ok, ça part. Je suis pas très bon là. Hein. Ah, clairement. Allez, un cérébra qui tombe. Et le deuxième, il doit être là-bas. Il doit être quelque part là-bas. On va laisser là, tiens. Lui, hop. Allez, go, vous tapez. Les porte-nefs qui rentrent en action. Attention. Allez, pète-moi tout ça, là. On n'en parle plus. Hop. Ça, ça galère, quand même, malgré la quantité que j'en ai. C'est pas si fou que ça, hein. Go. Allez, on avance. Et le cérébra qui est là, bien sûr. On va envoyer le Zeratul. Pour lui régler son compte et on sera bon normalement. Par contre, je suis en train de faire mes. Voilà, faut juste que je tue ce qui est potentiellement dangereux. Là, il y a une spine, attention, faut pas que je lui. Voilà, c'est bon. Là, tu peux y aller, mec. Voilà, il suffit de focus ça maintenant. Et on aura le GG timing. On aura... Il y avait moyen d'aller beaucoup plus vite, hein, mais... C'est une victoire. Bravo. Bravo. C'était la mission 9 des Protoss. Et on se retrouve dans la prochaine et dernière mission de StarCraft 1. Remastered. A tout de suite.